Je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai essayé de vous faire une tenue du jour. Donc j'avais pas pensé, c'est qu'il me fallait pas se manger. Désolée. Donc d'habitude, c'est mon conjoint qui me filme, mais comme il est pas là, j'essaye de me débrouiller un petit peu toute seule. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop laborieuse et que ça va vous plaire. Donc déjà, au niveau du visage, je vais me mettre correctement. Donc j'ai utilisé la Lorac Pro, la première en fait. J'ai mis le fard, un fard clair en fait par-dessus le jumbo de Sephora, le numéro 10, que j'aime beaucoup. Sur mes lèvres, j'ai utilisé le Revlon Color Burst en teinte 001 Honey Douce. Là, je porte des boucles d'oreilles Mime, j'ai dû payer 3 euros. Un colis en fait que mon conjoint m'a offert avec des petits diamants. Donc, je vais me reculer, j'espère que vous allez entendre. Donc là, j'ai un haut. Un haut cache-cache, un basique en fait, un marron. Et par-dessus, j'ai une robe Jennifer en fait. Donc je disais que j'avais une robe Jennifer. Je vais essayer de me reculer. Donc une robe noire Jennifer en laine en fait, avec une ceinture en marron. Voilà. Donc je vais essayer de me reculer pour que. Ou alors de reculer un petit peu aussi ça pour voir si ça fonctionne. Non, je pense qu'il va falloir que je demande de l'aide de mon conjoint pour filmer l'autre partie, le bas en fait, parce que là vous allez bien voir le haut. Donc là j'ai décidé de ne pas lâcher mes cheveux parce que des fois j'en ai marre de mes cheveux en fait. Donc ils sont simplement attachés avec une pince et en même temps ça permet de bien voir les boucles d'oreilles. Je trouve que ça dégage pas mal le visage donc ça change. Donc voilà, au niveau des bottes, je vais les enlever, je vais vous les montrer. Donc c'est des bottes que j'avais achetées à la Halle aux chaussures. Donc elles sont noires. Donc je les aime beaucoup. On a un espèce de lassage en fait tout autour. Hein, comme ça. Donc c'est à fermeture éclair, ce qui est toujours pratique. Et là ça fait un peu bottes... pas d'Artagnan mais cavalier, je sais pas trop comment on dit. Donc comme ça. Donc ça me fait super... Ça me fait marrer, je trouve ça joli sur une paire de bottes en fait. Elles sont en matière un peu d'un, on peut dire. Je serais pas trop. Moi, ça doit être ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les imperméabilise, ça serait pas mal. Donc, des petites bottes noires comme ça. Et j'ai un. Faut que j'arrête de me brancher. Et j'ai un collant marron en fait. Marron en laine parce que comme il fait moins. Moi, là, vous voyez, comme ça fait, il fait moins 4 en ce moment, c'est une horreur. Donc, je pense que le début de la vidéo aura été un peu laborieuse. Je vais demander à mon conjoint de finir en me filmant tout entière, ça sera plus simple pour vous, je pense. Donc, voilà, donc j'espère que la petite tenue du jour vous aura plu quand même si c'était un petit peu le bazar, on va dire. Donc, la robe en laine vient de chez Jennifer. Je l'ai acheté il y a, je me rappelle plus, il y a un petit moment, mais comme ils font souvent les mêmes produits, je pense que c'est plutôt facile à retrouver. Le t-shirt marron, c'est un basique de chez Cash Cash, c'est là où j'achète tous mes t-shirts manches longues. Donc je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez le trouver pour moins de 10 euros. Donc c'est vraiment pas très cher. Ça se trouve en solde, il est peut-être un peu soldé, un peu moins cher. Les bottes, je les ai achetées à la Halle aux chaussures il y a un petit moment, mais bon, c'est pareil, ils ressortent souvent les mêmes modèles. Je les avais eu à moins 30%, c'est pour ça que j'avais craqué dessus. Les collants en laine, c'est les collants en laine marron de chez Leclerc, qu'on peut retrouver assez rapidement et facilement grâce aux promos qu'ils font. C'est les cotons en laine, coton chaud, ils disent, ou quelque chose comme ça. Ils faisaient des promos dernièrement, mais ils sont plutôt de bonne qualité, ça dure pas mal de temps. Moi, je sais que je les ai en noir et en gris, et pour l'hiver, c'est très bien pour ce que c'est faire, quoi. Donc, voilà. Donc, je me collerai juste après la vidéo de mon ensemble, ça sera plus simple. Et à la limite, entre deux, je calerai peut-être une photo du maquillage, enfin des produits que j'ai utilisés. Donc, j'espère que la petite tenue vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bye bye les filles.